c'est incroyable cette progression. En un an, une partie de manche, c'est dommage, ne faut pas le sortir. Une partie de manche, un coup de fer, quel jour. Damien, Hypercute, il gagne après des émotions quand même. Bah ouais, quand il y a enquête, on a toujours peur quand même. Mais là, je viens de voir le résultat de l'intérieur, il était parfait. Ouais, c'est incroyable parce que 2/3, on peut douter d'intérieur, il n'y a pas une foulée impure. Bah, c'est un grand cheval, il amène son jarret vachement loin derrière. La caméra 3/4, on la connaît, ça les avance jamais. Mais heureusement qu'il y a une caméra d'intérieur pour justifier, sinon il n'y en aurait plus d'un de distancé de 3/4. Les sensations que tu as eues aujourd'hui, est-ce qu'il était comme les autres fois? Est-ce qu'il était encore meilleur ou comment le sens-tu? Niveau gaz, j'étais au petit trot tout le long, je l'avais réveillé un peu plus au canter et quand j'ai demandé d'accélérer au 400, il m'a repris un départ. Le début de parcours, tu as vraiment pris ton temps avant de venir te prendre la tête? C'est juste la volte qu'il faut assurer avec lui et après, par contre, au bout de 100 mètres, je me suis décalé à deux pour pouvoir progresser et pour être trop loin de la tête. C'est un avion? Oui, il est comme ça, c'est des sacrés chevaux. Anthony, Talicia, deuxième, c'est une bonne performance qu'elle a réalisée aujourd'hui. C'est vrai que c'est presque une petite victoire. Hein. On tombe sur le cheval en grande forme actuellement, on est remonté. Donc il n'y a pas à rougir. La jument nous montre qu'elle est encore capable de rivaliser avec de très bons chevaux. Elle avait débuté la dernière fois sous la selle. Qu'est-ce qui vous a incité à poursuivre l'aventure dans cette spécialité? Le parcours n'était pas si mal que ça. Elle avait fini très fatiguée, c'est vrai, mais jusqu'à la sortie du virage, elle avait quand même suivi Sourire de Voutré, Hypercute de Manche, donc c'était qu'une question de condition. Donc, c'est pour ça qu'elle a retravaillé comme il faut dans le courant de la semaine et voilà le résultat est là aujourd'hui. On va également prendre de tes nouvelles, ça a l'air d'aller bien après quelques semaines d'arrêt. Est-ce que là tes sensations sont bonnes? Moi aussi j'ai retravaillé comme il faut depuis les deux dernières semaines et puis on revient gentiment au bon niveau aussi, donc c'est de bonne augure pour le reste. Je me sens bien, il n'y a pas de douleur qui ressort, donc c'est le principal. Plus de peur que de mal alors? Ouais. Exactement.